Salut à tous les Price Actioners! Avant de regarder la vidéo, lisez le disclaimer! Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Notre DAX 30, mardi 10 mai. Donc là, sur la matinée, on voit que notre opening est bullish. On ouvre sur un gap haussier. On part au break pour l'instant de cette petite zone de dégradation bilatérale et on pourrait très bien donc remettre un bon coup d'accélérateur sur le niveau. On va placer ici des 10 200, pourquoi pas en fin de journée. Bon, c'est pas encore, on peut rien dire, on va pas tracer de plan précis, mais on aurait pour l'instant le carburant d'aller voir les 10 200 suite à cette volonté des bullish pour l'instant de breaker cette zone de retracement bilatéral daily. En 5 minutes, voyons ce qui s'est passé. Bon, une belle matinée, on commence en attaque assez bullish sur ce niveau là. On revient de façon bilatérale encore sur le bas du gap, on n'a même pas réussi à atteindre les 10 010, et puis on est reparti en flèche sur une nouvelle spike. On s'affranchit du R1, on colle encore une petite zone de ranging sur le R1. Et puis là, un objectif logique serait les 145 pour le moment, voire les 200 en cran au-dessus avec le R2 en intermédiaire. Mais pour l'instant, c'est du bullish de chez bullish. Ceux qui veulent pas s'embêter la vie, ben, c'est vente sous cette zone et achat au-dessus de cette zone. Enfin, price action, je pense que ça peut être deux zones à travailler, soit pour aller rechercher un pullback un poil plus profond en scalp, soit ici pour jouer une trend et pousser un peu plus fort. Je vous remercie et je vous dis à tout à l'heure pour notre close européenne.